Alors moi c'est Juliana Bilota et je suis coordinatrice à l'association L'Estrand. Je suis Laurent, je suis bénévole dans l'association L'Estrand. Le projet qu'a déposé l'association L'Estrand pour ce nouveau budget participatif, c'est d'investir dans des machines qui vont, on l'espère, réduire considérablement les bouteilles plastiques, au moins pendant les manifestations culturelles, socioculturelles, caritatives. L'idée c'est d'investir dans des machines qui se présentent comme des tireuses. Et ces machines, en fait, auraient deux becs. Un bec qui délivre de l'eau plate, froide, et un autre bec qui délivre de l'eau gazeuse, froide. Voilà. Donc ensuite, on rajoute des sirops, de cola, d'ice tea, de ce qu'on veut. Et voilà, ça fait le job et on évite de consommer beaucoup, des centaines de bouteilles. On a tout au long de l'année un collectif, le collectif de la transition 33160, qui vient régulièrement débattre, animer des ateliers et des soirées. On souhaite vraiment poursuivre cet engagement-là en 2024 et donc, comme le disait Laurent, éviter au maximum les déchets et donc le plastique notamment.